des spectateurs qui se levant et qui hurlent, enlevant leur t-shirt, jettent du pop-corn ou courent dans les allées, pendant une autre partie de la salle les hue. La SNES est de roulis dimanche 7 août lors des une avant-première du film One Piece Red au cinéma Pat la Joliette, Marseille. Publié sur TikTok, puis relayé sur Twitter, les images ont fait le buzz en ce début de semaine. Donc là je viens de voir à quoi ressemble une séance de One Piece à Marseille. Donc c'est littéralement devenu une norme de faire de la merde sur un film d'animation connu. @cri-baza-lc on a trouve pire que l'avant-première du Grand Rex. pic.twitter.com/45anuos/50 Marque accès à ce contenu à Adblock afin de respecter votre choix de consentement en cliquant sur IJ, marque accepte, I, vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès au contenu de nos partenaires et pour mieux rémunérer 20 minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton J, marque accepte pour on. Plus T, informations sur la page politique de gestion des cookies. Selon Erito World, qui avait repéré les images sur TikTok, des autres séances se sont mal passées. Bordeaux, Toulouse, Strasbourg. Dans la ville de Nouvelle-Aquitaine, un spectateur aurait même mis un terme prématurément à la séance en activant elle, alarme incendie. Incident similaire ce N, et pas la première fois que des incidents sont signalés lors de projections des animes. Il était passe la même chose à Paris au Grand Rex pour une avant-première de L, anime Jujutsu Kaisen 0 en mars dernier. La même chose S, est de roulis lors des une avant-première My Hero Academia, World Heroes Mission. Dans un autre genre, des séances de Les Mignons 2 ont également été perturbées. En cause, une trend TikTok. Dans les commentaires vus sur les réseaux sociaux, ces comportements divisent. Un trouve cas drôle, des autres aimeraient profiter de leur sens sans perturbation, des autres en fait incriminent, il a commu One Piece, you, il a culture marseillaise, i. Nouveau sous le soleil faut-il croire, comme ce journaliste de juxvideo.com que, et ce type de comportement est endémique et symptomatique de notre époque, la recherche du « buzz », le manque de consideration pour autrui, etc. En creusant un peu, on aperçoit quoi que les fans de manga, a fortiori marseillais, n, ont rien invente. Est une pratique qui n, est pas rare dans le « cinéma » des « horreurs ». En 2016, nous rapportions par exemple qu'une poignée de séances du film des horreurs Conjuring 2 avait également été marquée par des cris ou des mouvements de spectateurs dans la salle. Et le phénomène n'est pas nouveau. Déjà, les spectateurs du Festival international de Paris du film fantastique et de science-fiction qui est tenu au Rex de 1974-1989, n'hésitez pas à manifester bruyamment leur enthousiasme ou leur dégoût. Les chahuts du festival sont vite devenus légendaires au point que certains spectateurs ne venaient que pour elle, ambiance. I rapporte ainsi le site Plans Américains, qui décrit ensuite ainsi certaines séances. IL, architecture du Rex encourageait ses délires. Du deuxième balcon fusée vers elle, orchestre sac de farine, confetti et projectiles en tout genre, devant les yeux méduses des journalistes et invite, à elle, abri au premier balcon. Tout titre, lorsque, il y en avait, est élu à haute voix par un millier de personnes. Les hurlements, y on a gagné. Y accompagnaient immanquablement les scènes de meurtre et de mutilation. Alors qu'est-ce qui se joue? Y dans les cas des incivilites, il agit avant tout de montrer qu'on est là, d'imposer sa présence, de se mettre en valeur, une question des égos.
I, note-elle, écrivain Pascal Franquet, spécialiste des films des horreurs, auteur de torture porn. Horreur postmoderne. Crime à It Follows. Isert, ajoute-t-il, il y a toujours eu une tradition de forte réactivité et de participation du public dans les festivals de fantastique et des horreurs comme jadis celui du Rex à Paris, ou dans les salles spécialisées, au jour, lui disparu ou ayant changé des orientations comme le Brady. Dans des occasions ou des lieux précis où des fans se regroupent, c'est, et généralement le cas. Remonter encore plus loin, ajoute Pascal Franquet. Retournons plusieurs décennies en arrière, des spectacles considérés comme relevant de la haute culture, tels que Elle, Opéra, De Chesnel et Passion, engendrant fréquemment des injures, parfois des empoignades parmi les spectateurs. Et que dire du chahut dans les théâtres au cours des siècles précédents? Et pour le journaliste de Juxvideo.com cite plus haut, il se manque de consideration pour son prochain ainsi que pour Elle, droit d'auteur œuvre projetée doit inciter les cinémas à prendre des mesures drastiques. I. Pascal Franquet lui répond, I. Onen, annulera pas un match de foot si le précédent a fait des blesses parmi les supporters. En revanche, on décidera de ne pas projeter un film anodin si du pop-corn affuse entre les CGs, C, et de L, hypocrisie. D. Autant que comme elle, à montre BFM TV, les salons jouent et N, hésite pas à titiller les spectateurs pour susciter des réactions. IC concours de décibels sont le plus souvent encouragés par les distributeurs de ces films ou les organisateurs de ces séances, friands de la publicité apportée par les vidéos réalisées sur place par des fans, qui sont ensuite relayées des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, I, peut-on lire dans elle, article, qui précise que, I en début de sens, des créateurs de contenu sont. I tout ce qui est un peu culte déclenche des réactions excessives, reconnaît Pascal Franquet. Action, c'est, est aussi le spectacle. Taclen, et pas seulement sur elle, écran, il peut aussi être dans la salle. Même un film qui institutionnalise cela, c'est, et le Rocky Horror Picture Show. Alors que les fans de ce film culte sorti en 1975, avec Tim Curry et Susan Sarandon, on commence à interagir avec le film dans la salle, des exploitants ont carrément organisé des séances spéciales, avec une troupe chargée de L, animation. Spectatrices et spectateurs étaient alors libres de jeter du riz lors de la scène de mariage ou de L, au lorsque il pleuvait, et surtout de chanter à tue-tête toutes les chansons du film. À Paris, le studio Galland a organisé ce type de séance pendant des années. Débordement N, il n'y a jamais de signal. Différence vient sans doute qu'en entrant dans la salle, tout le monde savait à quoi est-ce, attendre. Au final, ces débordements tiennent davantage de L, épiphénomène que des autre chose. Depuis les avant-premières compliquées du 7 août, le film One Piece Red est sorti normalement dans toute la France et aucun autre incident n'a été signalé.